À Lausanne, il y a des œuvres d'art, des objets figuratifs, des sculptures abstraites, et parfois des œuvres si étranges qu'on ne les remarque même pas. Celle-là, par exemple. Est-ce que vous croyez que c'est une œuvre d'art? Eh bien, si. C'est une œuvre basée sur le rythme et la couleur, faite par un mathématicien et un artiste qui ont travaillé ensemble. Alors, je vous emmène au pays des couleurs et du rythme. Voilà. Voilà un travelling. Vous pouvez le faire à tout moment. C'est la place Chaudron. Il suffit de marcher. Et on débouche sur une terrasse que Lausanne adore détester. Ben oui, évidemment, il y a eu des dealers, il y en a encore. Voilà, c'est mal famé. Mais depuis 10 ans, la ville de Lausanne organise des mosaïques. Des fois avec les migrants, ils travaillent avec des mosaïciens. Des fois, c'est des écoles. Et je vous emmène voir un mur où il y a eu un animal que j'ai beaucoup aimé. C'est un hibou. Ben, à mon avis, c'est un chef-d'œuvre de hibou. Alors, je sais pas qui l'a fait, c'est anonyme. En tout cas, je l'ai tellement aimé, ce monsieur hibou, que je l'ai mis en fond d'écran. Ça fait 3 ans que j'ai ce hibou en fond d'écran. Et voilà.